Bonjour Vogue! Bienvenue dans mon nouveau chez moi et surtout bienvenue dans Vlog, la série où on vous décrypte la mode sous toutes ses coutures. Cette journée va être incroyable. On va essayer tout plein de vêtements car aujourd'hui on va tout simplement décrypter le métier de styliste, mais pas n'importe quel styliste, les stylistes de célébrités. On connaît leur métier, on voit à peu près ce qu'ils font, mais il y a quand même tout un mystère qui plane autour de ça. Et on se rend surtout pas compte de l'impact qu'ils ont dans notre pop culture. J'ai tout plein de questions et nous avons plusieurs façons d'y répondre. Et là, tout de suite, nous avons en call Dani Michel, qui est la styliste, entre autres, de Kendall Jenner, Hailey Bieber, Kourtney Kardashian. Vous avez certainement vu un look créé par Dani Michel. Et vous avez peut-être même acheté une pièce grâce à un de ces looks que vous avez vu sur une célébrité stylisée par Dani Michel. Vous comprenez pourquoi je voulais qu'on fasse un épisode sur ça? Allez, jingle, ça commence. Ceci est très exclusif. Je vous présente Thibaut, qui est modéliste. Maman, 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 j'ai hâte. Je l'ai su sur Instagram depuis tellement longtemps. Ok, elle appelle. Hi, hello Dani. Hi, I'm Lina. Nice to meet you. Can I ask you, how would you describe your styling style? I always want my girl to feel, you know, chic and timeless and sophisticated, and I want the looks to live on. Okay. So when you can kind of get those two to be married, and when someone's cool and chic, it's like the ultimate for me. This one I'm very curious about. How much of the personality of the celebrity you're styling influence the way you're going to style them? I'm so inspired by the person, by the talent themselves. So I really take their personal taste, their direction, their vision, you know, how they feel themselves. And then we collaborate together. So it must be like a very intimate moment with you and the VIP. You know, trust and loyalty is pivotal to the strength of any relationship. Yeah. I think this question can surprise the French people because I want to know, do you dress the celebrity only for big events such as a red carpet, or do you also like style them for the daily basis? It's more like a long-term collaboration. I really just provide whatever they need in their life. There's times where it's an event or it could be a vacation or a day-to-day. It's really just wherever they feel like they want something fresh and you know, they really just don't want to like have to worry about all those little details. So we just make sure that they always feel covered and prepared for whatever comes up. See, this is where it's very different because in France, we don't really have paparazzi. So we don't like dress up for the daily basis, except for the big event when you can have like a stylist. So this is very different. I really wanted to do an episode about your work because I don't think people understand how much of an impact you can make on someone's career, but also in our pop culture, some of the biggest moments in the fashion industry are due to a good styling. So I was wondering, how much of an impact can a stylist have on someone's career? I think that my clients or other clients, like actors or actresses or musicians, like people are in love with their music. People are in love with their acting. People are in love with their personality, whatever it may be. Fashion is just another aspect of their character and their persona and who they are. It's like, I think it's just like the icing on the cake. Like if you go to a rock band and you love their music and you think they look cool, you're like, you know, it just adds yes. to that whole story. So I don't think that it makes it, but I think that it's just another great addition of expressing yourself and, you know, letting the world understand who you are and how you feel. Well, thank you so much, Dani. Merci beaucoup. That was awesome to have you on Vogue. It was such an honor to speak to you. Thank you. Bye. Bon, c'était très intéressant ce petit call avec Dani Michel, mais j'aimerais qu'on vive l'expérience ensemble à travers cette vidéo. Bon, nous ne sommes pas à New York, nous ne sommes pas à Los Angeles, nous sommes à Paris. Mais vous savez quoi? Les Français, on n'a pas à rougir concernant ce game. Nous avons également nos stylistes de célébrités et on va rencontrer l'un d'entre eux. C'est Clément Lomellini, il a notamment habillé Emrata, Philippine Leroy-Beaulieu, Clara Luciani, Camille Raza. Et je vais lui donner la mission de s'occuper de toute ma DA dans cet épisode. On y va? Je rigole, il y avait juste un bruit. Salut. Bonjour. Bienvenue dans mon show. Il y a tellement de choses qui m'attirent. Comment, est-ce que je peux vraiment te dire de commencer maintenant? Je me mets dans ma tenue tous les jours. Ah bah vas-y. Et tu m'as mis, ça c'est mon look, c'est genre Lena Starter Pack. Je veux que tu me l'upgrade parce que je veux voir à quoi ça ressemble quoi. Ok, je pense que de base, on pourrait remettre une veste.
un peu... Et dis-moi, ça c'est ce que tu fais régulièrement? Ouais, c'est un peu mon quotidien. C'est à chaque fois que j'ai une nouvelle célébrité ou un talent avec qui je dois préparer quelque chose, j'appelle toutes les marques et j'organise des essayages. Ça, ce ne sont pas tes vêtements, il faut les rendre après. Ouais. Je pense que c'est plutôt important à souligner parce que tous les vêtements que vous voyez sur vos célébrités préférées, sur vos influenceurs, et t'as l'impression qu'ils ont toujours une garde-robe qui est géniale. Il y en a certainement qui doivent avoir de vraies garde-robes géniales, mais ce ne sont pas leurs vêtements. Fou. C'est du prêt, c'est du spectacle. Et à la fin de la journée, ils retournent dans leurs vêtements à eux. On rend tout. Ok, bah écoute, je vais me mettre dans les chaussures, dans les Jimmy Choo. Ouais, s'il te plaît. Célébrité. J'adore. Tu peux me faire une tenue pour aller me faire paparazzier pour aller acheter une boisson verte qui sera évidemment hors de prix puisque c'est Los Angeles. On pourrait partir d'un t-shirt parce que pareil, tu vois, t'es assez tranquille, t'es chez toi. Genre, ouais. Celui-ci. Ensuite, on va rajouter une petite veste. Bah, toujours Miu Miu. Ça m'irait bien le marron, tu penses? J'adore. Ok, je porte jamais le marron, je suis chaud. C'est vrai? Ouais. Ah, mais alors, avec tes cheveux, avec ta carnation, ça va tirer trop bien le marron. Ok. On va faire un dégradé autour de ça et on va casser un peu avec... Attends. Là, celui-ci. Copernic. Ok. Je te laisse te changer. Ta-da. Alors? Ah bah, évidemment. Un petit serpentier de Bulgarie. Je n'irai jamais acheter mon matcha sans mes diamants. Une petite dose de vintage. Qu'on va te mettre en crossbody. En ceinture de sécurité. Et comme t'es à Los Angeles, on rajoutera des lunettes de soleil. Ah, oh, j'aime! C'est fun! Je suis tout étourdie des flashs des photographes. Maintenant, Fashion Week. Ouh! Moi, je pense que ce qui peut être cool, c'est de montrer déjà que avec une pièce, tu peux faire et un look jour et un look soir. Alors attends. Tu peux faire ça? Ouais, je suis sûr que je peux faire ça. Oh, c'est beau! Magnifique bustier balmain. On va la mettre avec du denim. Regarde, attends, il y a cette jupe en jean qui est très belle, de la marque Rowan Rose. Ah, c'est un ensemble en plus, on pourrait... Tu vois, ça aussi, c'est cool, parce que tu peux, par exemple, arriver le matin que comme ça, puis après, t'enfiles la veste tu mets la veste sur les épaules pour le reste de l'après-midi, ce qui te fait une deuxième photo. Évidemment. Et le soir, brac. Bah, vas-y, je suis chaud. Allez, c'est parti. Oh, waouh. Alors là, on est bien fashion week, non? Je suis venue avec deux personnes, quoi. Ouais. Ravi de les rencontrer. Ravi de les rencontrer. On garde ce top et tu me le stylises pour la nuit. Exactement. Ok, notre tenue de jour et j'arrive avec la tenue de nuit. Tu-tu-tu. Wow, alors là on est dans notre mood. Hein. J'aime beaucoup, ça fait comme une petite robe noire. C'est ça, et en plus comme c'est le soir, on peut sortir la broderie. On va le mettre juste sur les épaules. Ah. Donc c'est chaud mais pas trop. Et on met un sac. Est-ce que tu peux nous rassurer aussi? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un styliste pour être bien habillé? Mais non, pas du tout. Ce qu'il y a, c'est que j'aide les célébrités à faire des looks qui peuvent inspirer le commun des mortels comme nous. Donc c'est-à-dire que justement, comme ces personnes ont des stylistes, eh ben, nous tous, on n'a pas besoin de stylistes parce qu'on s'inspire des looks qu'on a vus. Okay. Fashion Week terminée, je suis dans la liste des mieux habillés. Merci Clément, merci Vogue, merci à tout le monde. Maintenant, on file au Festival de Cannes. La première fois que j'étais au Festival de Cannes, je n'avais absolument aucune idée qu'il y avait des paparazzis partout dans la rue et que dès que je sortais de l'aéroport, il y avait des photographes. Donc, il y a ma première arrivée au Festival de Cannes en pyjama, claquettes chaussettes, pilou-pilou, pas coiffée, pas maquillée, évidemment, puisque c'est comme ça que tu voyages, normalement. Bah, bien sûr. Mais pas au Festival de Cannes. On a des stylistes même pour les tenues d'avion. Ouais, pour les tenues d'arrivée. Mais tu sais quoi? Justement, on va te faire un revenge look. Ah bah alors là on peut dire que c'est une belle revanche sur le doudou, non? Flight attendants, please arm your doors, cross-check and stand by for all calls. Maintenant que je suis arrivée à Cannes, je peux aller me préparer pour ma montée des marches. Tu m'as préparé c'est une très tenue excitant, ça. De tapis rouge. Venez. Et on ne s'arrête pas sur un transat. Ce qui est très drôle, c'est que la plupart des robes incroyables sur Sainte ne donne absolument rien, comme celle-ci. Wow! Cette robe est incroyable. Donc... Alors ce que j'adore, c'est que de face, pour autant, on peut croire que c'est une robe noire. Toute simple et sage, mais en fait, elle est tellement travaillée, tout est dans la découpe. C'est vrai, ils sont très forts, Valentino, sur ça. Mais je baille un peu. Et ben ça, c'est justement pour ça qu'on fait des fittings au préalable, pour pas que tu te retrouves le jour de ton red carpet. Un sein à l'air. Exactement. Ou avec même la peur d'avoir un sein à l'air, même si tu n'auras jamais le sein à l'air. Donc, là, il faudrait faire une petite pince. J'ai prévu. Ah, là, tu parles mon langage. Alors évidemment, ces bijoux, comme les vêtements, repartent juste après. Mais
les bijoux encore plus vite. Et surtout, ils sont accompagnés d'un garde du corps. Ah, j'adore! Bon, alors il faut, et bien sûr, imaginer qu'il n'y aurait pas ça. Wow. J'adore le plaisir éphémère comme ça. Je trouve ça très très beau. On est sur une robe qui vient d'un défilé. Oui. Mais il y a un autre phénomène sur les tapis rouges. C'est pour les grandes célébrités, les VIP. C'est le service de customisation. On va te créer une robe uniquement pour cet événement et uniquement pour cette personnalité. Et c'est chez Dior qu'on va essayer de comprendre tout ça et de décrypter le système VIP des tapis rouges. Je vais malheureusement me changer. Oui. Vous allez voir, on va rentrer dans les ateliers historiques de chez Dior. Un peu à la maison, finalement. C'était notre premier vlog, c'était ici. Et aujourd'hui, nous allons rencontrer Mathilde Favier, qui est en charge des relations des célébrités dans le monde pour Dior. Bonjour, bonjour Léna. Mathilde. Bien, merci. Je t'en prie. Ceci est très exclusif. Bien, quand même, pour montrer. Bonjour. Il y a quelque chose que j'ai découvert lors de nos premiers entretiens chez Dior quand j'ai commencé à rentrer dans la maison, c'est qu'il existe plusieurs pôles. Et il y a un pôle qui est VIP et célébrité. Et c'est pour ça que sur des tapis rouges, sur un festival de Cannes, un Met Gala par exemple, ou les Grammys, il existe des robes qui sont faites sur mesure pour la célébrité qui va le porter. Absolument. Alors on fait une robe ou on en adapte une. C'est assez d'actualité là en ce moment aussi. Il y a beaucoup d'actrices qui sont très respectueuses de l'environnement et qui adaptent des robes qui ont déjà compté, qui ont déjà été faites et qu'on réadapte en 2023. D'accord. Voilà. Ici, vous êtes dans l'endroit où les magiciens œuvrent, puisque oui. C'est eux qui confectionnent les robes selon des mood boards qui sont tout d'abord proposés à Maria Gradia. Maria Gradia valide, crée un sketch, ouais. On fait valider le sketch et on arrive ici dans ces ateliers où il y a ces magiciens et magiciennes qui réalisent les robes. Tu soulignes que le styliste, c'est un métier avec lequel vous travaillez, c'est une personne avec qui vous travaillez, mais qui ne prend pas non plus la place de Maria Gradia, puisqu'il y a l'ADN de Dior. Le styliste, je pense, est le porte-parole des désirs d'une star qui sont eux-mêmes soumis par l'intermédiaire du stylisme auprès de Maria Gradia. Et ma question, c'est si ces robes sont faites sur mesure, elles sont faites pour vivre le temps d'une soirée, le temps d'un shooting, elles vont où après? Alors, elles sont effectivement faites sur mesure pour quelqu'un qui, en général, la robe revient, la star a passé la soirée dedans, une partie de la nuit, et ensuite elles sont réfectionnées à neuf, et après elles partent aux archives de Dior. T'as été voir le musée. Notre premier vlog, voilà. C'était avec Soizic aux archives. Voilà. Qui nous avait raconté l'histoire de ces robes. Elles sont pas figées, c'est des robes qui ont une histoire. Et je peux pas m'empêcher de voir les Stockmann. Alors, ce sont les silhouettes de chacune des célébrités que vous habillez. En fait, quand on a donc le go d'une célébrité et qu'on sait qu'elle va porter une robe de Dior pour une occasion, on va lui faire prendre ses mesures et on crée un Stockmann. Et chaque actrice a son Stockmann. C'est rigolo, je vois même un Stockmann d'une femme enceinte. Oui, aussi. Mais est-ce que vous arrivez un peu à calculer l'effet buzz d'une tenue? Non. Non. Ça, c'est une sorte de magie dans l'univers? Non, ça, c'est la magie dans l'univers. Et c'est encore une fois, c'est ce qui est merveilleux. Il y a des stars qui annoncent quand même un peu plus la couleur, bien évidemment. Mais ce qui va se passer sur le tapis, c'est vraiment la vie. Je vous présente Thibaut, qui est modéliste. Est-ce que je peux te demander sur quoi tu travailles, sans me dire pour qui? Alors, sans dire pour qui, je vais cacher le nom. Oui, j'ai vu ça. Je travaille sur un tailleur pour un événement, pour Cannes, en fait. Pour Cannes. Voilà, pour une actrice française. Alors, en fait, c'est une pièce qui est reproduite aux mesures de l'actrice, qui est une pièce d'un précédent défilé. D'accord. Donc, on a fait le mannequin à sa dimension, le moulage ensuite, à partir du croquis, pour mettre en forme le croquis. Et maintenant, c'est l'étape du patronage, avant qu'on puisse commencer à coudre vraiment. Et donc ça, c'est un Stockmann de base et vous avez rajouté du padding là où la personne de poitrine. Là, c'est pas ses formes à elle, c'est juste pour donner un peu la forme du vêtement. D'accord. En dessous, si vous voulez, c'est déjà rembourré à ses mesures. Là, vous voyez que c'est déjà rembourré en dessous. Je me dirais que j'ai percé le jour où il y aura un Stockmann à mes mesures. C'est un nouveau but dans ma vie. Du coup, Mathilde, en fait... Oui, Léna. Il se passe toujours quelque chose. Là, on est à quelques semaines du Festival de Cannes, du Met Gala.
c'est pas uniquement en Fashion Week que vous travaillez toute l'année. On est disponible 24 heures sur 24. On a de la chance d'avoir des familles et des entourages qui le comprennent très bien. Je dis « on » parce que personne n'est plus responsable l'une que l'autre, absolument. Et je pense que c'est ce qui fait la magie de ce métier aussi. Mmh. Franchement, c'est parfois éreintant. Comme tous les métiers passionnants, mais au final, c'est complètement exaltant, quoi. Merci Mathilde. Merci Léna. Merci beaucoup. Merci. À très vite. Je vais prendre un peu de calme, puisque là, ils vont encore me traîner partout. Un peu de calme dans cet atelier. Oui, il faut s'absorber de tout ça. On peut continuer la vidéo. Il y a une année dans le monde de la mode qui a été un tournant. C'est l'année 1997. Nous sommes au Palais Galliera, le musée de la mode de Paris. L'endroit est sublime. Et l'exposition à l'intérieur va nous parler justement de cette année 97. Bonjour. Salut. Bonjour. Léna, enchantée. Alexandre, bienvenue en 97. Alors, depuis quand ça existe, cette relation célébrité-maison de mode? Il existe depuis vraiment le début du XXe siècle. C'est-à-dire la haute couture va vraiment se rapprocher des comédiennes de théâtre d'abord. Puis dans les années 30, il y a un phénomène qui s'appelle les jockeys. C'est-à-dire ce sont des femmes qui vont être habillées en haute couture et vont arriver comme ça dans les soirées mondaines, au spectacle. Et on les appelle les jockeys. Par exemple, la duchesse de Windsor qui a fait abdiquer le roi d'Angleterre, Wallis Simpson, c'était le jockey de Schiaparelli. C'est-à-dire elle était habillée intégralement en Schiaparelli. D'accord, donc quand Bella Hadid arrive à un défilé habillée en full Schiaparelli, Bella Hadid est jockey de Schiaparelli? Absolument, comme Zendaya aujourd'hui est le jockey de Louis Vuitton. Oh, et puis évidemment la baguette. Et en fait, c'est le New York Times qui va révéler plus tard le secret marketing, c'est qu'en fait en décembre 97, Fendi fait une vente uniquement pour les rédactrices. Du coup, si on récapitule, le sac sort en 1997, il passe plutôt inaperçu, et c'est là qu'il y a un peu un système que nous on va connaître aujourd'hui, c'est de donner le sac à des influenceuses, à des célébrités, du coup des rédactrices à l'époque. Et une fois que les rédactrices sont toutes arrivées sur le défilé avec leur même sac, c'est là qu'il a eu une visibilité en boutique. Visibilité, et surtout qu'en juin 97, on tourne une série assez peu connue qui s'appelle Sex and the City. On ne connaît pas. Et qui, voilà, et Fendi Favet va comprendre l'intérêt de proposer des sacs et le baguette va être le sac emblématique de la série. D'accord. Pourquoi il y a les Simpsons? C'est le moment en fait où l'un des premiers créateurs de mode, Walter Ronberg, donc, va créer pour le groupe U2 les costumes. Et donc le groupe U2, qui est le groupe de pop stars des années 90, va faire appel à ce créateur alors inconnu pour dessiner intégralement les tenues. Et ça va tellement marquer les esprits que les Simpsons vont représenter les costumes dans la série. Ouais, donc là on est vraiment sur un impact de pop culture. Exactement, alors sans créditer Walter Van Beren, donc effectivement il va diffuser le travail à des millions et des millions de personnes à travers le monde. C'est vraiment ça, 97, c'est l'arrivée aussi de la mode dans la pop culture. Ah mais de toute façon moi je pense que je préfère être dans les Simpsons plutôt que de gagner un Oscar. Ce serait ça moi ma vraie victoire. Alexander McQueen, sa deuxième collection, et puis la dernière collection du vivant de Gianni Versace. Oui. C'est le créateur des pop stars, c'est le créateur qui va vraiment appuyer le phénomène des supermodels, c'est le créateur qui va mettre des stars en front row, qui va les inviter et après en même temps on va les inclure dans ses campagnes. Chaque campagne Versace c'était une star. Aujourd'hui ça paraît vraiment très classique, oui. Mais à l'époque c'est tout nouveau. Et c'est quand dans tout ce spectre que le métier de styliste comme on le connaît aujourd'hui est arrivé? Il se met vraiment en place justement dans les années 90, au milieu des années 90, où il y a des personnalités comme ça de l'ombre qui vont décider, parce que justement ça va beaucoup trop vite, il y a beaucoup trop d'événements qui se suivent, et donc il va décider des tenues, il va être proche avec les créateurs, il va faire le lien entre les créateurs et la star. À la suite du décès de Gianni Versace, c'est sa sœur qui reprend la maison et qui reprend le poste. Absolument. Donatella Versace, aujourd'hui nous on la connaît tous, mais il y a un moment marquant dans la vie de Donatella et dans sa carrière, c'est la robe pour Jennifer Lopez. C'est un cocktail d'une robe sexy, sublime, sur une chanteuse qui commence à avoir un petit buzz, mélangé sur un tapis rouge très important. C'est ce qui fait que tout le monde voulait voir cette photo de Jennifer Lopez dans la robe. Ça a même créé Google Images, parce qu'avant on ne cherchait pas des images sur Google Images. Et ça a vraiment, je pense, par la suite lancé cette relation avec les célébrités et Versace, non? Et surtout Google Images, et savoir aussi comment, en quoi sont habillées les filles. Wow. Avec une seule robe. Alexandre, j'ai une dernière question pour toi. On voit ce qu'on retient de 1997. Si aujourd'hui il y avait une expo sur 2023, qu'est-ce qu'on retiendrait? Certainement la première collection de Pharrell Williams pour Louis Vuitton.
Bah, c'est vrai qu'il y a quand même un petit tournant, tu vois, entre ce métier de styliste et cette relation de célébrité, et qu'aujourd'hui, ce soit une célébrité qui prenne un rôle de styliste. Et il y a déjà eu un précédent en 97, c'est amusant, parce que la fille d'un Beatles, Paul McCartney, Stella McCartney, présente sa première collection en 97 pour Chloé. Et à l'époque, il y a eu le même bruit, les mêmes rumeurs qu'il y avait aujourd'hui, en fait. Ah bon, bah alors pourquoi tout ce scandale si on l'a déjà vécu en 97? Ouais, j'espère qu'il y aura un petit bout de nos vlogs dans les expos de 2023. Ou un look de Léna. Ou un look de Léna. Je vous donne ma perruque si vous voulez. Dès maintenant. Merci beaucoup. Merci énormément. Nous, on rentre à la maison. Venez. Merci. J'adore nos petits moments, conclusions comme ça au bureau. C'est ma tradition préférée de nos épisodes vlogs, je vous le dis. Qu'est-ce qu'on a appris? On a pu le voir lors de l'épisode, le métier de styliste a tout plein de facettes différentes. Et en réalité, la définition même du styliste, elle, est mouvante. Ils peuvent aussi bien travailler pour des célébrités, travailler au sein même des maisons comme les stylistes modélistes, être en relation directe avec les marques, ou bien travailler pour les magazines comme Vogue. Et surtout, ce métier ne cesse de se développer au fil des années, depuis les années 30. Le phénomène vient des États-Unis, où ces stylistes habillent les célébrités et qui parfois deviennent eux-mêmes des célébrités. Ça, c'est plutôt un phénomène des années 20. 2020. Et comme on l'a vu avec Dany Michel, c'est majoritairement grâce aux réseaux sociaux. Et le phénomène qui est encore plus fou, comme le soulignait Alexandre au Palais Galliera, c'est que parfois ces célébrités deviennent elles les stylistes et la tendance s'inverse, comme Pharrell Williams chez Louis Vuitton. Et avec Clément, on a pu comprendre à quel point son métier, lui, était interconnecté avec tous les autres métiers de la mode. Travailler avec des magazines, dénicher des pièces d'archives, dénicher des nouvelles pièces. Et pour les célébrités, il doit s'adapter pour trouver un look, que ce soit pour un tapis rouge ou tout simplement pour aller acheter un petit matcha devant les paparazzi. Voilà, encore un bel épisode de vlog. Nous avons encore appris plein de choses. Nous sommes à deux doigts de dépasser Loïc Prigent en connaissance mode grâce à nos épisodes de vlog. C'est faux, Loïc, on t'aime pour toujours. Tu es mon mentor de la vie. Et j'espère que vous serez là pour le prochain épisode de vlog afin qu'on continue d'apprendre tout plein de choses. C'était Léna Situation pour vlog. N'hésitez pas à vous abonner. Bisous! Et faites en sorte que j'ai ma couverture pour Vogue. On l'oubliera pas celle-là.